Je suis Pierre Rubeza, je suis un particulier, je suis canadien, installé en Suisse déjà depuis 10 ans. Je s'occupe avec les inventions, c'est un domaine un peu particulier. Et je travaille dans le domaine de vivante et de vibration, ensemble de vibration de vivante. Ça fait déjà plus de 30 ans où je s'occupe avec la recherche d'un phénomène qui m'est fasciné depuis toujours. Et c'est un domaine de vibration, de sons particuliers, qui sont depuis le début de l'humanité connus et utilisés dans le cadre de guérison, dans le cadre de spiritualité. Dans le cadre de voyage dans les autres dimensions. J'applique beaucoup de principes anciens et je mélange ça avec de nouveautés en science, en physique, en électronique. Et je fabrique les appareils et les systèmes complets qui dégagent de vibrations. La vibration qui nous permet de déterminer l'état de santé, l'état de vitalité. Et j'ai aussi des capteurs qui nous permettent aussi d'observer la réaction. On donne une action, on observe une réaction dans les systèmes vivants. Et je développe toute une série de thérapies utilisant le son et la vibration aussi, pas seulement la vibration sonore, mais la vibration électrique et la vibration naturelle qui nous permettent d'interagir avec le système vivant pour améliorer la croissance, pour préserver la vitalité et au cadre humain. Je travaille avec beaucoup de gens qui souffrent de maladies très graves. Mais je ne traite pas la maladie, je traite le système vibratoire de la personne. Et on va voir un peu tout après le détail de ça, de cette travail. Je suis devenu fasciné par le son, et particulièrement le son électronique. À l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans, la seule chose qui m'intéresse, en fait, c'est la musique électronique, de travailler avec le synthétiseur, avec l'équipement électronique qui permet d'enregistrer, de modifier et de travailler avec le son. À l'âge de 14 ans, je reçois mon premier synthétiseur. Ça, c'est une période avant l'ordinateur portable ou personnel. Je fais mes études à la conservatoire sur la musique classique, le piano. Mais aussi, je fais mes études à la conservatoire avec la musique électronique, qui à l'époque s'appelait la musique concrète. Au collège, je suis parti pour faire mes études comme ingénieur de son. Et en 1982, je commençais, je crée le premier studio commercial pour la musique électronique au Canada. Dans ce cadre-là, j'ai toujours utilisé mon équipement et mon studio comme un centre de recherche qui m'a permis de très précisément créer les sons, travailler avec les sons, étudier les sons.
So, je fais ça pour 10 ans et c'est en fait dans mon studio où je trouvais ce phénomène particulier. Un jour, je travaillais avec un son particulier et je commençais de bouger dans le studio. Et quand je bougeais, je réalisais que le son était changé. Je me posais la question, mais pourquoi le son change? Parce qu'il n'y a aucune raison. Après, je réalisais que ce son était changé quand on bouge quelque chose de vivant. Parce que je bougeais une chaise dans la pièce, mais rien ne se passait. Je mis les bouquins sous la chaise roulante, je les roulais, rien ne se passait. Mais quand je mis une plante sous la chaise et je le bougeais, le son était changé. Ça m'a pris beaucoup d'années après de comprendre en fait qu'est-ce que s'est passé et de créer un circuit électronique qui est capable de capter ce phénomène. Pour moi, ça c'est un phénomène qui était connu depuis le début de la humanité. Différentes cultures humaines ont appelé ça par différents noms. Le chi, le prana, la force vitale, le kundalini, le aura. Mais en fait, toute cette terminologie était liée avec un phénomène physique, naturel, lié avec le vivant. Le système vivant, en fait, c'est une matière qui était animée. La vie, ce n'est pas une chose, c'est un processus. Et c'est un processus d'animation de substances qui étaient inanimées. Notre compréhension de vie, si on parle avec... Si on parle avec le biologiste, avec le chimiste, ils prennent une approche très mécanistique de la vie. Ils regardent le véhicule, mais c'est rare qu'ils touchent le fond de ce phénomène, de ce processus. Pour moi, ce processus qu'on appelle la vie, c'est comme la lumière, c'est comme le son, comme la chaleur, c'est une force qui on trouve partout dans l'univers, mais qui se manifeste sur cette planète, voilà, comme on appelle la vie biologique. La vie, pour moi, c'est une force constructrice. Elle prend les particules et elle crée l'ordre. Et c'est dans cet ordre où on trouve le plus haut niveau de cette construction, en fait, c'est la vie. Avec ce principe, j'approche mon travail dans lequel on sépare le mécanique et le énergétique. Et j'appelle ça l'énergétique parce que c'est un bon terme. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent le terme quantique, multidimensionnel, etc. Mais moi, je suis très pragmatique. Parce que dans mon studio, où on trouve des milliers de fils, où on trouve de centaines et centaines de différents boutons, chaque action que je fais crée une réaction. So, il n'y a pas de magie, il y a seulement des choses qu'on ne connaît pas. Et pour moi, tout ce phénomène qu'on met dans le cadre magique, étrange, mystique, en fait, fait partie de la nature et d'un phénomène dans la nature qu'on ne comprend pas jusqu'à maintenant. Il y a certaines choses aujourd'hui qui on commence à observer. Et comme avant quelques centaines d'années, la première fois quand l'homme était regardé sous le microscope, ils ont regardé une goutte de l'eau.
Et dans cette goutte d'eau, ils ont vu le monstre, le démon, le être bizarre, étrange. Mais en fait, ils ont vu le microbe. So, c'est pas le microscope qui crée le monde microscopique. Le monde microscopique était toujours là, depuis le départ. Pour moi, le bioscope représente une sorte de microscope. Mais c'est un microscope qui nous permet d'observer un aspect de vivante qui, jusqu'à maintenant, nous sommes perçus. L'homme était perçu. Mais ils n'ont jamais eu la possibilité de l'observer directement avec un appareil qui était validé scientifiquement. Et pour moi, ça c'est important parce que c'est avec cette compréhension de cette force de vie où on peut avancer la humanité. Pour moi, ça c'est très important d'apprécier et apprécier le deux mondes à la même temps. C'est clair que l'homme était plus que la mécanique et je n'accepte pas cette perspective complètement mécanistique qui se trouve dans beaucoup de notre institution scientifique. Si c'est la mécanique, la biologie, on met même chose dans beaucoup de domaines de psychologie, psychiatrie. L'espoir et de l'être était très mécanistique. Et pour moi, ça ne joue pas. Parce que nous sommes beaucoup plus que la mécanique. Et si on regarde ce phénomène constructrice de vie, on voit qu'elle se transforme comme l'énergie. Énergie qui est équivalente à masse, et masse qui est équivalente à énergie. C'est la fameuse formule d'Einstein. Mais la vie qui se manifeste dans les êtres, elle est constante. Et est-ce qu'on peut dire qu'elle est infinie? Peut-être. On ne sait pas. Je ne sais pas si on va jamais savoir ça. Mais pour l'instant, je suis convaincu qu'il y a beaucoup plus dans l'expérience humaine que la mécanique. J'ai développé le premier prototype de bioscope, ça fait peut-être 20 ans ou plus. Ça s'est basé sur cette son que j'ai découvert dans mon studio, le son qui était changé, lié avec le système vivant. J'arrivais à cette concept, en fait, lisant les livres classiques de mysticisme, etc., qui parlent de son du silence, qui parlent de verbe, qui parlent des phrases, des incantations particulières. Ça m'a fasciné. Pourquoi ce lien entre le son et quelque chose lié avec la guérison, quelque chose lié avec le changement de dimension, un appel des dieux, des anges, etc. Et en fait, le chemin que j'ai pris, c'est le chemin lié avec le son. Parce que la parole, le chant, la musique, tout ça, c'est lié avec le son. On avait ces exemples dans toute l'histoire humaine, les Grecs déjà qui sont parlés de ce phénomène, le soldat Jéricho qui sont construits et cassés le mur avec la trompette et les instruments. Et pour moi, ça m'a fasciné beaucoup. En fait, le son,
c'est une manifestation mécanique d'énergie. Dans notre champ électromagnétique où on trouve tout ce qui existe, on peut trouver sur cette échelle électromagnétique. Et dans cette échelle, dans les différentes régions, les différentes bandes vibratoires, on peut dire, on trouve le phénomène qu'on appelle l'énergie qui se manifeste comme différentes choses. Dans une gamme, l'énergie se manifeste comme la matière, les atomes, les molécules. Dans une autre gamme, l'énergie se manifeste comme la radiation. Radiation nucléaire, le rayon X, l'ultraviolet. C'est la radiation qui fait beaucoup de dégâts, certainement sur le système vivant, mais pas seulement, mais aussi la matière. Après, on avait une gamme où l'énergie se manifeste comme la lumière, qui se manifeste comme la chaleur, l'infrarouge. C'est une onde, c'est une vibration. Après, on a toute la gamme électromagnétique qui n'est pas bien définie par rapport à mon point de vue. Le téléphone portable, le GPS, tout ça, on appelle électromagnétique, mais en fait, tout est électromagnétique. La lumière, c'est une radiation électromagnétique. Le nucléaire, c'est une radiation électromagnétique. Après, on a les ondes radio, on a du son et on a de l'infrason. So, dans les gammes de son, l'énergie se manifeste comme une onde mécanique. Et elle fait quoi? Elle bouge la matière, elle tire la matière. On regarde cet arbre et cette feuille et on dit, ah oui, mais il est fixe. Il est silencieux, j'entends rien du tout. Mais ce n'est pas du tout le cas, parce qu'elle n'est pas fixe. Si on entre dans le domaine microscopique, on voit qu'il y a de respiration cellulaire, il y a le liquide qui coule, il y a toutes sortes d'activités, ou tout un univers d'activités dedans. Chaque chose qui bouge produit une vibration. Et si on met une vibration sur l'autre, on a un phénomène additif. Et ça dépend de l'intensité. On revient à notre perspective, à notre point d'observation. On n'entend pas avec l'oreille de l'homme, mais on peut le capter avec le bioscope. Bioscope capte cette vibration sonore inaudible. Pourquoi? Parce que le bioscope, c'est un instrument qui fonctionne sur le domaine vibratoire du son, mais il ne capte pas le son mécanique, mais le son électrique. Parce qu'à chaque moment, autour de cet arbre, autour de chaque personne, il y a un champ électrique qui vibre à la même vibration, la même gamme des ondes, de fréquences, comme le son. Mais parce que ce n'est pas mécanique, c'est électrique, c'est un déplacement de charge, on n'entend rien. Et comme ça, c'est avec ça que je compris bien le concept, le son du silence. Ok, maintenant je vais vous faire une petite expérience. Ici, on a une plante. Le pauvre, elle est toute stressée parce qu'il n'y a pas d'eau dans cette verre. So, la chose que je vais faire, je vais brancher l'électrode. Le bioscope, en fait, fonctionne un peu comme une radio ancienne. Début de radio, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un morceau de cristal, ils sont entourés avec une bobine en métal, ils ont passé une courante dans la bobine, et avec un troisième fil, si
Ça dépend où ils sont touchés, cette bobine. L'interaction entre le flux électrique et cet matériau, le cristal, était dégagée en onde. Vous savez, quand vous tournez le bouton dans la voiture pour changer les canaux, ok, aujourd'hui tout est numérique, mais dans les anciennes radios, quand vous tournez le bouton, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous changez cette connexion dans les bobines qui est autour d'un morceau d'un minéral. Ok, et quand vous tournez le bouton, vous changez la connexion et c'est comme ça, vous dégagez la résonance dans ce système. Le bioscope fonctionne un peu dans avec ce principe. Il se met en résonance avec un système vivant. So, quand je fais le tuning, je capte le signal émis par voilà, cette plante. La chose que je vais faire, je prends mon verre. Dans les axes, le premier c'est le temps, sur 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ici c'est amplitude en électron volt, sur 5, 10, 15, 20, 25. Ici c'est la gamme de fréquences, 1000 Hz, 2000, 3000 jusqu'à 6000 Hz. C'est les bandes audibles. Okay? Ça, c'est très clair dans l'image. Ici, la plante qui était stressée, parce que je n'ai pas arrosé quelques semaines. Ici, ok, c'est une perturbation parce que je suis mélangé moi-même aussi avec tout ça. Je ajoutais l'eau. J'ajoutais l'eau dans le verre. Et juste après, on voit la différence dans le flux électrique énergétique de ces plantes. Okay? Quand elle est arrosée, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que le flux électrique était devenu beaucoup plus stable. Ici, ce n'est pas stable, elle bouge, elle n'est pas très, très claire. Quand même, les plantes dégagent son vibration, il vibre. Parce que bien sûr, elle est toujours vivante. Le plus un système vivant descend vers la mort, le plus ce signal devient plus chaotique. Je n'ai jamais testé l'animal. Je pose la question à un ami qui travaille dans le département de neurosciences à EPFL. La question, c'est très simple. Ici, vous avez un rat. Ici, le rat était vivant. Vous faites une action et juste quelques secondes après, le rat était mort. C'est quoi la différence entre les deux rats? Elle m'a regardé. Elle m'a dit, oui, mais le rat était mort. Ah oui, mais si on pèse, c'est le même poids. Si on prend température, c'est la même température. Si on analyse le son, c'est toujours le même. C'est juste, 2 secondes après, tchac. C'est en fait. Elle est à peine à me dire et de m'expliquer la différence entre un rat mort et un rat vivant. So, ici, on pose la question, c'est quoi la vie? Parce que dans la matière, quand on dépasse la ligne, d'accord, si quelqu'un meurt tranquillement, doucement, et ça prend 80 ans, 90 ans, d'accord, on comprend, parce qu'on s'épuise, etc. Mais une personne dans un bon état qui dépasse cette ligne. Où est la différence? Mécaniquement, tout est bon. Température, l'eau, les poils, tout est bien. Mais il y a quelque autre chose qui n'est pas la physique, qui change,
qui disparaissent, qui partent. So, ok, on va faire un deuxième test maintenant, d'accord? On va stresser cette plante et on va observer son réaction, d'accord? On fait quoi? Voilà, les plantes toutes contentes, là, 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 là. On ajoute le feu. Et réagit tout de suite. Ok? On enlève le feu. Elle retourne dans son état d'origine. Mais quand même, il y a une petite impression d'information qui reste ici. So, qu'est-ce qu'on observe ici? On observe comment une plante fait une réaction immédiate par rapport à une action externe. Si vous pouvez imaginer ça dans la nature, ce phénomène qui se passe, si les plantes étaient stressées par le feu, par les animaux qui passent, par les insectes, ça, c'est une interaction, une action et une interaction qui est en continu. Dans les forêts, dans un pré, dans un champ, dans la maison, avec les plantes, il y a toujours une interaction entre eux. Et cette interaction peut être bénéfique ou stressante. Et le plus on a avoir le stress dans le système, dans un environnement, le plus on diminue le système de défense de cet être, si cet être est une plante, une personne, un chat, n'importe quoi. Mais on voit ici comment ce système réagit et comment ce système était capable aussi de retourner dans son état normal, original. Avec les plantes, je vous montre encore une expérience. Et ça, on fait comme ça. Maintenant, on fait le tuning de notre arbre. Voilà. On a branché l'électrode sur une petite branche. Et maintenant, la chose que je veux faire, je vais toucher ici. On va regarder. Ok, ça c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que si vous regardez la tête de notre caméraman qui est bien dans les champs de cette plante, on ne voit pas clairement. Mais en fait, on voit une réaction progressive de cet arbre. Il faut imaginer que le champ dégagé par cet arbre était quelques mètres. Et maintenant, on a une pièce à plein de personnes et tout le monde autour. Mais quand même, depuis le moment où on a commencé et on a branché les électrodes, on voit comment cet arbre, ici c'est plat, le signal, on voit comment cet arbre commence de changer son état électrique. Et ici, dans le point où je touchais, c'est devenu très, très rond, les ondes. Mais l'arbre était déjà perçu que je suis
intentionné de le toucher. La chose qui est incroyable avec le système vivant, les plantes, ils sont capables de sentir nos intentions. Maintenant, ce phénomène, si on parle de ça avec un biologiste, ils nous disent ce gars, il est un martien. Mais on peut démontrer chaque fois. On peut répéter cette expérience 1000 fois, un après l'autre, avec le bioscope. Le phénomène, chaque personne sur cette terre, je suis certain, a eu cette expérience. Vous êtes dans un bus, vous êtes dans un centre commercial, et vous avez une impression que quelqu'un vous regarde. Et vous tournez la tête, et bien sûr, quelqu'un vous regarde. Vous pouvez faire l'expérience cet après-midi dans les voitures, roulantes à 120 à l'heure. Regardez le conducteur devant vous ou à côté de vous. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il tourne sa tête. Vous roulez à 120, ok, dans deux différents véhicules, ça vous est pas ni dans le même environnement, mais quand même, la personne perçoit, était capable de percevoir votre regard. Dans la maison, derrière la fenêtre fermée, regardez dans votre jardin le petit oiseau qui arrive, qui s'installe sur l'arbre. Le moment où votre conscience fait connexion avec cet oiseau, il tourne sa tête et il part, mais il devient conscient tout de suite. Le moment où votre conscience se met en contact avec lui. Si vous regardez dans le jardin, en global, c'est rien qui se passe, même avec tous les oiseaux qui sont là. Mais le moment où vous commencez votre attention, vous focalisez votre attention à un arbre, à un oiseau particulier, c'est lui qui va tourner sa tête. Et chaque personne était capable de faire ça, voilà, dans l'après-midi chez vous. Ou demain, dans le train, ou dans les magazines, ou les shops, ou dans les voitures. Et regardez ça, c'est un phénomène particulier. Comment ça fonctionne? Pour expliquer ça, il nous faut... Et si on utilise notre physique classique ou physique quantique, il nous faut quelques milliers de pages des explications. Okay? Simplement, c'est la projection de notre attention. Le concept de conscience, c'est d'être conscient de quelque chose, mais aussi le concept d'attention. On projette notre attention sur un acte, un phénomène actif, sur quelque chose. Et c'est là où je crée déjà un lien énergétique par rapport à mon être, mon énergie, avec cet objet, avec ce système. Mon rêve, c'est d'avoir un appareil qu'on peut porter sur les lunettes, comme ça. Et on met les lunettes et on peut observer ce monde énergétique qui coule, qui floue, qui vibre, qui scintille tout autour de nous, à chaque moment. Mais ça, c'est pas pour cette année. Quand j'arrivais ici en Suisse et je commençais de faire le travail avec le bioscope, j'ai deux différents groupes. J'ai rencontré plusieurs différentes personnes et j'ai vu un groupe qui me dit « Wow, c'est génial! Écoute, on peut te faire une introduction chez... le grand maître Sai, si et Sai ça,
le grand sage Inde, et ça c'est génial, on peut mettre ça et on peut travailler dans la 19e dimension de conscience. C'est génial. J'ai dit, ouh, ok. À l'autre côté, j'ai quelqu'un qui me dit, bah, ça c'est intéressant, je peux te faire un contact avec une université et de faire des recherches sur le phénomène. So, j'ai décidé de suivre cet chemin qui, à l'époque, je pensais, oh, c'est génial. J'entre dans le laboratoire, dans l'université, et tout le monde va être content. Ils ne sont pas du tout contents. Pourquoi? Parce que je démontrais le phénomène devant eux, qui n'est pas dans les grands livres, ni de biologie, ni de chimie, ni de physique. So, qu'est-ce que c'est ça? Mais si on teste 5 fois, ou 10 fois, ou 100 fois, la différence entre une tomate saine ou une tomate malade, on voit 100 fois qu'il y a une gigantesque différence. Et la signature, la caractérisation était 100 fois similaire entre le malade et le sain. So, ils ne sont pas dans une position de me dire, ouh, non, on ne fait rien. Ils se sont dit, ok, nous sommes prêts de travailler. So, depuis 10 ans, on a plusieurs sortes de publications qui sont sorties. Ça, c'est Méthode globale, évaluation de qualité avec ITAB, Institut technique d'agriculture biologique en France. On avait une autre publication, Méthode globale, analyse de qualité, aussi publiée par ITAB. On a une étude qui est publiée dans Journal of Applied Chemistry, qui est fait par le laboratoire Wetsus, c'est le laboratoire national aux Pays-Bas, qui sont aussi présentés le bioscope à une conférence internationale aux États-Unis. On a le travail de diplôme qui était fait à l'université appliquée, sciences appliquées en Sion, sur mesure d'énergie subtile avant et après le traitement technologique des fruits et des légumes à l'aide de systèmes bioscopes. On avait une autre étude qui était faite, mesure d'énergie subtile de jus de carottes fait presser à l'aide de systèmes bioscopes. So, en fait, il y a plusieurs études qui sont faites sur ce système et chaque fois, les gens sont validés que oui, bien sûr, on peut arriver de capter cette différence, on peut arriver de caractériser la différence entre le bio et le conventionnel, le contaminé et le clair. So, ça, c'est juste une série d'exemples de publications qui sont disponibles dans le public. Parce que quand je travaille avec beaucoup de sociétés privées, je travaille avec le groupe LVMH, je travaille avec Danone, je travaille avec plusieurs autres grandes sociétés internationales. Mais malheureusement, la recherche qui est faite avec eux, c'est hautement confidentiel. So, on ne publie pas les études. C'est dommage parce qu'on a fait vraiment des choses magnifiques avec les cellules, avec les clones, avec les matériaux génétiquement modifiés. C'est extraordinaire les choses qu'on a fait. Et en fait, si on comprend, une fois on comprend ce phénomène, et une fois on commence à appliquer, c'est là où on entre dans un autre univers. La différence entre OGM, modification et non-modification, était liée avec la caractérisation au départ des substances ou des plantes. So, si on comprend la signature, de un blé non modifié et on le compare après avec les échantillons, là on peut voir les différences. So, avec le bioscope,
on ne fait pas une mesure absolue. On fait une mesure relative. Relative à quoi? Well, ça dépend. Je choisis quelque chose comme une référence. So, une tomate, une pomme, une banane, une plante. Et après, ça comme une référence. Par exemple, comment on établit une référence? On établit une référence disant, ça c'est une bonne plante qui pousse voilà, dans cette région. Son qualité était bonne, son croissance était bonne. Et j'établis ça comme en référence. Et après, quand je fais les comparaisons, je peux constater la différence entre mon modèle idéal et en fait les autres échantillons. En fait, ce processus était, d'accord, dans beaucoup de domaines, était déjà établi, mais en fait, ça s'est fait comme ça. So, il faut créer une mesure référentielle et on fixe ça comme notre modèle idéal. Par exemple, sur les poids, on a fait quoi? On a pris un morceau de matériau qui on a pesé et on a déterminé avec un centimètre de ce matériau dans un vide, c'est ça un gramme ou un kilo. Et on a établi ça comme référence. Mais écoute, c'est juste. C'est relatif aussi. Tout notre système qu'on appelle le système absolu, en fait, sont relatifs. C'est quoi un kilo? C'est quoi un gramme? Oui, un kilo était 100 grammes. Oui, mais comment on est arrivé à déterminer un gramme, c'est un gramme? Peut-être c'est moins qu'un gramme ou plus qu'un gramme. Et même si on met 100 pièces des grammes qui sont pas un gramme, et on peut dire un kilo, c'est relatif. Le temps, une seconde, c'est quoi? C'est basé sur quoi, une seconde? Je ne sais pas, un, deux, voilà, une seconde. C'est le monde de l'homme. On crée le concept, on le fixe. Un plus un, c'est deux. Voilà, c'est l'absolu. Ok, un plus un était généralement deux. Mais pas tout le temps. Et ça c'est un exemple simple. Mais une fois on montre santé. Cet homme était en bonne santé. Cette madame était malade. Ça dit rien du tout. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un idéal de santé? Est-ce qu'il y a un idéal de maladie? Non, parce que chaque personne était différente. Chaque personne était unique. On ne peut pas dire. C'est ça notre définition de santé. Parce que ça dépend des paramètres qu'on ne peut jamais arriver de finir notre liste. Ici, c'est une de mes inventions. Ça s'appelle le système triphonique. C'est un système de thérapie qu'on utilise pour traiter les personnes. Ça représente 35 ans de recherche, de développement, d'expérimentation dans le domaine du son. Et ici, ce système représente une synthèse qui est basée sur trois axes. Le premier, je peux illustrer par une image ancienne, qui est ça. C'est un des plus anciens textes médicaux en humanité. C'est tibétain. Et en fait, la vie était représentée comme un arbre. Cet arbre représente une personne. C'est un arbre avec deux troncs. Et dans les deux troncs, on avait la couleur qui coule.
Maintenant, comme chaque personne, les racines sont communes, mais les deux troncs représentent à un côté les mondes et les aspects physiques, le corps, la nourriture, l'environnement, le concret, et tous les aspects. L'autre tronc représente le monde subtil, les émotions, la spiritualité, les rêves, l'imagination, les idées, les concepts, etc. Et en fait, la santé d'une personne était liée avec un coulement d'énergie qui on s'en appelait le chi, soit chi, prana, force vitale, kundalini, etc. Oups. Qui circule dans ce système entre un côté le monde émotionnel, des idées, des concepts, etc., et à l'autre côté dans le concret. Dans le concept tibétain, ils sont conçus 6 différentes zones énergétiques de base dans le corps, de 6 chakras de base. Cet concept j'aime bien parce que c'est ça le plus complet concept humain que j'ai vu qui nous explique ce phénomène. Ok, c'est un phénomène qu'on capte. D'accord, à cette époque, ils n'ont pas eu la spectroscopie, le système d'enregistrement, etc. Ils sont arrivés jusqu'à la pointe. Maintenant, il faut inventer les idées, les concepts, d'essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on perçoit. Okay? Parfois, on entre dans les zones qui dépassent un peu notre logique d'aujourd'hui. Mais quand même, c'est un travail magnifique et c'est le concept, vraiment un concept de base et qui j'apprécie beaucoup. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la physique. La physique des ondes, de vibrations, la mécanique, la matière, la propagation de vibrations et des ondes dans l'espace, dans la matière. La vibration atomique des molécules, la vibration électromagnétique de la lumière, etc. Et aussi dans les années 60-70, NASA a fait beaucoup de travail sur la vibration du corps humain, vraiment la mécanique. Ils ont vu que dans le corps humain, il y a certaines vibrations pour la peau, pour les muscles, pour les os, pour le système respiratoire, pour le système digestif. Ça, c'est un travail bien fait. C'est le domaine physique. C'est le deuxième pilier que j'utilisais dans ce concept ici. Le troisième pilier était lié avec les travaux qui étaient faits dans les années 30 par deux scientifiques des États-Unis qui s'appellent Fletcher et Munson. Ils ont travaillé pour Bell Labs et ils ont fait la plus complète étude jamais faite sur la perception humaine et les effets physiques du son sur le humain. C'est un lien entre le son et le humain. Était pour la première fois en histoire entrée dans le domaine scientifique. Jusqu'à cette époque, 1934, si on parle du son, on allait tout de suite chez le professeur dans le département de musique, parce que le son, ce n'est pas quelque chose de scientifique, c'est quelque chose qui est lié avec la musique. Mais voilà, 1934, avec les travaux Fletcher Munson, le son était entré dans son propre domaine scientifique qui s'appelle le psychoacoustique. Les effets psychologiques et physiologiques
doucement. Et aujourd'hui, le domaine de psychoacoustique était extrêmement puissant, parce que ça s'utilise dans les domaines de publicité, de chaque film qui sort de Hollywood utilise la programmation psychoacoustique pour évoquer la réponse de spectateur. Okay? C'est une science. Et ce n'est pas par hasard, si vous allez regarder les films aujourd'hui, un grand film Hollywood, les bandes sonores, les sons qu'on utilise sont tous un peu similaires. Parce que ça, c'est la programmation psychologique. Okay? Moment où vous entendez ce morceau de musique, ça évoque toute une série de mémoires, toute une série de réponses tout de suite. Moment où vous entendez cette boum, cette crash, ça signifie, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Le moment que la musique s'arrête, il y a un silence, on sait bien que le meurtrier va sauter, va couper la tête de quelqu'un. OK? C'est une programmation psychologique qui est bien appliquée. Ça s'utilise dans les publicités, ça s'utilise dans les centres commerciaux, ça s'utilise dans les radios. Et en fait, une grande partie des gens ne sont pas du tout conscients de la puissance qui est sur eux si on se met dans les médias commerciaux dans notre monde aujourd'hui. Si on prend un exemple, le film Alien, sur une scène terrifiante où Sigourney Weaver, elle cherche le monstre. On a la musique terrifiante, on a le son bizarre. Tout le monde était en tension. Mais imaginez la même scène où avec la musique... Pump Up the Jam, ou je sais pas, la musique de Mickey Mouse, je sais pas, la musique de cirque. Même si la scène était terrifiante, même si les images sont violentes, c'est une comédie, on se rit, on se rigole. Et en fait, toutes les études qui sont faites dans ce domaine psychologique, les émotions sont évoquées par le son, pas par les images. OK? Même dans les guerres, même dans les scènes extrêmement terrifiantes, c'est le son qui évoque les émotions, pas le visuel. Et pour aujourd'hui, si on regarde le nouveau guerrier, on voit le nouvel design des casques. Tous les casques couvrent les oreilles, et dedans, il y a les autres parleurs. Parce que pour couper cette réaction émotionnelle, on coupe le son de l'extérieur. On met la personne dans un monde sonore à l'intérieur. La communication, le son, etc. qui était adapté pour couper la réponse émotionnelle. Okay? Et comme jamais avant en histoire de guerre, le jeune qui retourne de bataille, et qui essaie de retrouver son vie normale, son tombe dans un choc émotionnel comme jamais avant. Pourquoi? Parce que le jeune soldat n'avait pas la possibilité de naturellement s'adapter à la situation émotionnelle. Cette émotion était coupée. Il revient chez lui et il réalise tout ce qui s'est passé et toutes les émotions qui remontent. Ça, c'est un phénomène qui était bien connu et bien utilisé aujourd'hui, le son. Dans le monde de torture, c'est la même chose. Le plus insupportable torture, c'est la torture avec le son. Parce que tu es prêt de sortir ton cerveau, tu attends la mort, tu ne peux pas le supporter. Pourquoi? Parce que c'est biologique. Et ce n'est pas quelque chose qui est seulement simple. Même la douleur, c'est quelque chose qu'on peut bloquer. Mais quand on entre dans le cerveau et on commence à mettre la pression sur notre essence émotionnelle, notre essence de pensée, c'est un domaine extrêmement, extrêmement puissant.
Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui jouent avec ce domaine, qui ne réalisent pas qu'est-ce qu'il fait avec le son, avec certaines sortes de musique. Ça me fait peur quand j'entends certaines sortes de musique aujourd'hui, parce que physiquement, émotionnellement, psychologiquement, ça fait un dégât qui on peut jamais récupérer. Parfois, si on dépasse une certaine limite, on prend un verre de cristal et on le casse, elle va jamais encore supporter le vin. Même si on le colle, on essaie de réparer, c'est pas la même chose. Je développe ce système ici, en fait, de effacer ces sortes de dégâts. Comme le son est un phénomène physique, on envoie ici les ondes particulières vers une personne. Ce n'est pas la musique, comme vous êtes entendu. Ce sont des ondes que je calculais par rapport à la nature. J'utilise les ondes de la lumière que je fais audible, j'utilise la vibration moléculaire que je fais audible, j'utilise la géométrie que je fais audible. En fait, cette vibration qui pénètre le corps était quelque chose qui fait partie de la nature. Comme c'est une force mécanique, les ondes pénètrent le corps, elle fait dans le corps la même chose qu'elle fait dans l'air. Elle bouge les molécules, elle les déplace. Elle ne change pas de structure moléculaire ou atomique, mais elle les déplace. Et ça crée les régions de compression et de décompression particuliers. Sur les ondes qui pénètrent le corps, pénètrent les muscles, les organes, le nerf, les os, elle fait vibrer toute cette masse. Avec le son adapté, on touche les différentes zones et systèmes dans le corps, et avec cette stimulation, on provoque plusieurs choses. On provoque le flux électrique, parce que chaque chose qui bouge provoque un mouvement de charge électrique. On peut faire un tri sur les toxines qui sont attachées dans les cellules, qui sont attachées dans les matériaux graisses, qui sont attachées aux poumons, qui sont attachées dans le cerveau. Les substances étrangères, on peut éliminer. Parce qu'on fait un tri mécanique, c'est comme dans l'industrie. Ça s'est fait dans l'industrie des mines, ça s'est fait dans l'industrie agroalimentaire. Par exemple, le grand camion qui arrive avec les pommes de terre, et les pommes de terre descendent, le chute sur une table qui vibre. Toutes les petites se déplacent à un côté, tous les grands à l'autre, et tous les moyens dans le centre. C'est un tri mécanique. Ça s'utilise dans les hôpitaux pour stériliser les instruments, l'ultrason. On utilise l'ultrason pour couper le béton aussi. Oublie le si, on utilise le son pour couper le béton. Aujourd'hui, si on visite le dentiste, on fait le nettoyage avec l'ultrason. C'est l'ultrason qui casse le dépôt de calcaire, etc., dans les bouches. Bonne technologie. Mon but ici, c'est de redémarrer le flux bloqué dans la personne, de nettoyer le corps des substances étrangères et de nettoyer un phénomène qu'on appelle la mémoire cellulaire. J'ai fait des milliers de traitements sur des centaines et centaines de personnes et c'est incroyable
de choses qui sortent avec les gens qui prennent une série de soins avec moi. Madame de 67 ans qui me dit, ouf, mon genou me fait mal. Oui, je pense, qu'est-ce que vous êtes fait? Vous avez un problème? Non, 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 c'est un événement qui s'est passé quand j'ai 7 ans. Et pendant le traitement, je sentis mon genou. Ça me fait extrêmement de mal. Mais qu'est-ce que s'est passé à 7 ans? Ah, vous savez, je suis devant la classe pour faire mon présentation et je tombais et mes genoux sont saignés et tout le monde s'est rigolé. Wow, ok. So, une ancienne mémoire sortie. J'ai les expériences comme ça avec les événements douloureux. D'accord, on dit, oh, mais c'est rien, ma petite poupette, tu es juste tombée, c'est bien pour les genoux. Mais c'est pas ça, c'est pas le physique, on touche toujours le physique. Mais il y a aussi cet aspect psychologique. Voilà, pour un enfant de 7 ans, d'être embarrassé par ça devant sa classe, émotionnellement, ça c'est un événement gigantesque. On ne peut pas dire, oh, oublie, c'est rien, c'est rien. Oui, it's a big deal. Okay? Chaque événement, qui est lié avec le stress, chaque accident, chaque, comment c'est dit, chaque traumatisme était lié avec le son. Accident de voiture, une expérience dans la guerre. Il y a les explosions, il y a le son de feu, il y a le verre, il y a le casse de fenêtres, il y a l'ambulance, il y a les gens qui crient, les voitures, les hélicoptères, même dans les familles. Pour le petit qui est dans son lit et qui entend à côté maman et papa qui se battent, ou les voisins qui se battent, il n'entend pas les mots, qu'est-ce que c'est dit? Mais il y a une certaine sonorité, une certaine sonorité qui s'imprime. Peut-être c'est un frigo dans la cuisine et le petit entend cette son de bruit. Ils ne savent pas, ils ont peur. Ça s'imprime dans la personne. Au niveau psychologique, ça s'imprime. Mais pas seulement là. Ça s'imprime au niveau mécanique. Parce que le son bouge, la structure atomique, il le déplace. Okay? Il y a des gens qui arrivent de sentir, si on entre dans une pièce, on dit, oh, il y a une violence qui se passe dans cette pièce. Mais comment ils savent ça? Ils savent ça parce que cette impression, de son de cet événement violent était déplacé la structure atomique des pierres, de bureau. Pourquoi? Parce que le son était pénétré cette substance, cet objet, cet stylo, cette souris, et quand elle est passée, elle a laissé son trace dedans. Elle n'est pas changée de structure atomique. Mais elle est déplacée subtilement le arrangement des atomes. Et c'est ça qui en sent. Cet phénomène, ça s'appelle les ondes stationnaires. C'est un phénomène qui est partout. On existe aux causes des ondes stationnaires. Mais ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas toucher juste en quelques minutes. Voilà, j'utilise le son pour nettoyer la structure atomique, la mémoire atomique de ces événements, les douleurs, pas seulement physiques, mais aussi émotionnelles, psychologiques.
Chaque son correspond avec une région du corps. On peut dire le chakra, mais j'utilise ce terme très avec beaucoup d'espace, d'accord? Le rouge correspond avec la région des jambes. Orange, c'est la région pelvique. Jaune, c'est plexus solaire, estomac, foie, son bande autour du corps. Le vert, c'est la poitrine, le cœur, les poumons. Encore une bande tout autour du corps. Les bleus, c'est la région de poumons hautes, le nuque, la gorge, les oreilles. Et le violet commence dans les sinus, les yeux, le cerveau. Chaque son était programmé pour évoquer deux sortes de réponses, une réponse physique et une réponse psychologique. Le champ autour du corps humain, en fait autour de tous les systèmes, les plantes, les animaux, un flacon d'huile essentielle, avait deux sortes de mouvements. Un mouvement axial, sur ça, c'est une sorte de respiration qui commence à la surface du corps et qui se déplace, comme ça. Mais aussi, il y a un mouvement radial, un mouvement qui tourne. Sur la même fois, il fait ça, il aussi, le champ tourne. Ça tourne à un sens, direction horloge ou direction horloge. Idéalement, il faut avoir un équilibre entre les deux, parce que ça représente une tension électrique de système. La vitesse de toutes les couleurs, la première chose, tout tourne à un sens, ok? Le rouge était beaucoup moins vite que le reste, et le reste tourne plus ou moins à la même vitesse. So, la première question que j'ai pour vous, vous avez quelques problèmes avec les jambes? Oui, ok. Accident ou problème de veine, de circulation, quoi? Non, prothèse, j'ai une prothèse de taille de hanche. D'accord. J'ai de l'arthrose partout. D'accord, ok. Son énergie tourne beaucoup moins dans cette zone. Pas seulement ça. Le deuxième graphe ici, ça représente l'absorption, réflexion du corps. Ok? So, comme une éponge, si l'éponge était sec, on ajoute l'eau, ça absorbe. Si l'éponge était déjà saturée, elle rejette. On voit que le rouge était le plus absorbé. So, cette énergie, le corps était besoin de cette énergie. Elle a besoin de cette information. Le son que je vous fais était équivalent avec la longueur d'onde de la lumière. Sur le rouge qui touche cette zone, était complètement absorbé par votre corps. Parce que nous ne sommes pas seulement traités les jambes, nous sommes traités tout le corps. So, c'est le corps qui a absorbé le rouge. Et après, progressivement, ça s'est monté. L'autre extrême, c'est un peu le violet, qui est un peu rejeté. Mais vous me dites, vous êtes envahi par les sons. Vous êtes un peu sourd à leurs oreilles. Et qu'est-ce que ça se passe électriquement? C'est le système de défense. On n'avait pas seulement un système de défense biologique. Notre système immunitaire. On a aussi un système immunitaire énergétique. C'est une coquille, c'est un champ électrique qui change, qui se déplace pour se protéger, pour nous protéger. Elle s'adapte par rapport à la situation. Sur ça, c'est très important parce qu'on voit clairement comme, en fait, tout le système électrique du corps était complètement changer son état de se protéger. So, voilà. Dans les cohérences, on voit que
le corps, le système électrique était changé canaux, ici dans le violet. Et elle a complètement rejeté cette la pénétration de ces ondes. Au niveau de vitesse, il n'y a pas grand-chose qui s'est changé, parce qu'ils tournent tous à la même temps. La région orange et le vert tournent un peu plus. Orange et vert. Et je pense pour ça, c'est à cause de rouge, les zones rouges qui mettent une tension. Si on imagine le corps comme vous savez, cette longue ballon à la cirque, et le gars qui fait le petit animal avec. So, on prend de longs ballons et on met pression en côté. Qu'est-ce qui se passe? L'air se déplace. So, en fait, dans une zone, on a moins de pression, mais on monte la pression dans les autres zones. Mais si on met une deuxième main sur une autre zone, encore, on déplace. Parce que le montant d'air dans les ballons était le même. Le montant d'énergie dans le corps était toujours le même. Mais la seule chose qui se passe, elle se déplace. So, on ne peut pas dire quelqu'un qui était épuisé d'énergie. Tu ne peux pas être épuisé d'énergie. C'est juste pas dans les bonnes places. Okay? Il faut remettre dans les bonnes places. Notre corps a une réserve électrique. D'accord, on peut améliorer notre état énergétique. On peut l'améliorer avec notre nutrition, avec notre environnement, avec nos pensées, avec la manière dans laquelle on gère nos émotions, etc. Mais aussi avec voilà, le son qui peut régénérer et réparer cet déséquilibre dans le corps. So, quand les gens viennent ici, ils me disent « Oui, j'ai un cancer, est-ce que vous pouvez guérir ?» Non, parce que je ne touche pas les maladies. Je travaille sur le système électrique de personne. Okay? Je corrige le flux électrique dans le corps. Et une fois ce flux était corrigé, le corps savait très bien comment se guérir. Parce que personnellement, à côté vraiment de l'intervention mécanique, si quelqu'un casse le bras ou perd son côté, d'accord, la chirurgie c'est génial, c'est magnifique. Mais madame qui avait la douleur chronique, personne qui avait le problème des yeux, de tête qui tourne, de intestin, excusez-moi, mais le problème, on ne peut pas régler juste comme ça, avec donnant tout le médicament, ou couper, etc. Il faut vraiment aller aux sources. Et ça commence avec la nourriture. Ah, si on mange, excusez-moi, la merde, mais ça se tourne en merde. Et c'est juste comme ça, pardon, mais c'est comme ça. Okay? J'ai lu un article l'autre jour, je l'ai sauvé. L'étude qui est sortie à Genève ici, pas 2 semaines, il y a plus de personnes qui meurent sur cette planète d'obésité que de faim. Come on! Hein? Plus de personnes qui meurent d'obésité que de faim. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça m'a choqué quand j'ai lu ça. Et après, je vois maman donner son petit guy, 2 litres de coca pour le repas. Ça, tu poses des questions. Il y a 2 parties de chaque traitement. La première partie consiste, voilà, partie d'équilibre et d'analyse, de diagnostic. Une fois on sort le rapport, après, j'ai toute une bibliothèque de programmes de traitement
Et j'adapte le système pour traiter les certaines zones. Soit par exemple pour vous, Hélène, on va travailler dans les zones rouges pour changer le mouvement, pour changer cet aspect. Le violet était lié à la tête. La tête qui tourne, comme on dit. Et je ne sais pas s'il y a un blocage là, dans lequel ça vous découpe de, je sais pas, de votre corps, la logique qui se découpe de corps, ou de mental qui se coupe de physique. Mais ça, c'est aussi un aspect sur lequel on peut travailler. Le cancer qui est déjà généralisé, ils sont déjà sous morphine. Et il y a un point dans lequel la morphine ne fait rien. Okay? La douleur pénètre ce canal de morphine. Quand je travaille avec les gens comme ça, j'applique le son où on change l'état de conscience de personne. Parce qu'on peut j'arrive à mettre la personne dans un état de conscience modifié. Et ça, je fais avec les sons. Comme je vous expliquais, le son, il y a deux aspects. Il y a un aspect physique, mais aussi un aspect psychologique. Avec les certaines ondes, avec les certains sons, on peut générer le délire, on peut changer la sensation de temps, on peut changer la perception d'espace, on peut découper la conscience de personne de son corps. D'accord, pour cette heure ou pour cette période où on traite cette douleur inimaginable, on sépare la conscience de personne de son corps. Et après, ils ne sont pas la douleur. Et ça reste pour un moment. Parfois, ça reste un jour, un après-midi, mais parfois ça reste 2, 3 jours. Et chaque fois que la personne revient, les effets sont plus et plus longs. Première fois, peut-être, oui, ça me fait de bien, tout l'après-midi, je dormis comme le bébé, mais la douleur était recommencée le matin. Les autres, deuxième fois, oh, ça s'éténue 2 jours, ça s'éténue 3 jours, ça s'éténue une semaine. Et après, j'ai la personne, parce que je travaille beaucoup avec la personne traumatisée. Je travaillais avec une femme qui a eu un accident de voiture. Surtout, son visage était reconstruit, le corps était reconstruit, une douleur totale tout le temps. Mais on a fait le traitement, premier jour, premier traitement 2 jours, deuxième traitement 3 jours, une semaine, 2 semaines. Et finalement, on est arrivé de repousser cette douleur un mois et demi. Finalement, après presque un an de traitement, une fois par semaine, 2 semaines, elle est arrêtée parce qu'il n'y a plus de douleur. Dans beaucoup de cas, les douleurs de digestion, le problème de douleur de dos, de tête qui tourne, a rien à voir avec le problème physique. C'est une manifestation d'une émotion problématique. Émotion cachée. Et dans plusieurs cas, bon pourcentage, c'est lié avec la nourriture.
Et je dis à monsieur, arrêtez le vin blanc, arrêtez le fromage, et c'est mieux avec le genou, avec le pied. Bien sûr, en 3 semaines, il voit, le goût me fait mal, ça me fait bien, je dors mieux, ok. Mais vous voyez le lien. Pour moi, il y a 3 sources de maladies et de problèmes sur n'importe quelle personne. Le premier, c'est le mécanique. Je coupais mes bras, je tombais, je perçais mon côté. Donc, d'accord, problème mécanique, il faut le réparer parce que ça fait mal. Deuxième, intoxication. Je mangeais quelque chose qui ne m'a pas fait bien. Fait de bien. Et ici, on ne parle pas seulement le poison pour les rats, mais on parle de graisse, on parle de vitamines, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui s'est intoxiqué avec toutes leurs vitamines et leurs compléments alimentaires, qui sont complètement intoxiqués par ça. Ils ne réalisent pas que, attends, tu sais, 20 de capsules et gélules par jour, c'est pas bien. Et vous ne prenez pas ça 2 ans sans arrêt. Ça ne fait pas comme ça. Complètement intoxiqué. Intoxication de coca, des oranges, de citron, de sucre, de McDo. Et le troisième, c'est le problème psychologique. Émotionnel. On ne gère pas bien nos émotions. C'est bien connu que les émotions et le stress, ça change le rythme de cœur, ça change la pression, ça change la digestion, etc., etc. C'est bien connu, mais quand même, on vit dans une société dans laquelle on stresse nos enfants, on stresse nos couples, et c'est complètement fou. Et c'est complètement fou. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il faut appeler le médecin pour demander un médicament. Nous sommes tous capables de se bien soigner et de garder notre état de santé avec la bonne nourriture, ça c'est le principe, avec un équilibre de substances, qui on ingère, et un équilibre émotionnel. Ça sont les clés, et après ça, d'accord. Mais ça sont les clés. Dans le niveau de énergétique, chacun de ces aspects, on peut observer avec le bioscope. Si je veux mettre quelque chose dans la main qui vous fait de mal, qui n'est pas compatible avec votre corps, on voit déjà dans les réactions de champ énergétique. Parce que, comme je dis, ça c'est notre champ énergétique, qui était aussi une partie de notre système immunitaire, notre système de défense. Sur le corps, énergétiquement, déjà perçoit que ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. On n'est pas obligé ni de le gérer. On peut faire le test. Ça, j'appelle le test de biocompatibilité avec le bioscope. Mais on peut faire ça avec les appareils électroniques, avec les habits, le matériau qui n'est pas naturel. Et qui aussi le matériau qui était traité avec les couleurs, avec de choses contre l'humidité, etc. Parfois, c'est hautement toxique. On peut tester l'effet
de notre nourriture, les habits, les objets, par rapport à notre champ énergétique. J'ai beaucoup de cas où on a fait sortir la personne de chaise roulante. Avec une femme, je réparais le nerf optique. Elle est suivie par son médecin. On a vu le nerf optique qui est noir, qui est brun, qui est jaune et finalement qui était clair. Et elle a commencé de voir. Même moi, ça sont mes lunettes pour l'ordinateur. C'est normalement plus de 1 mètre, je ne vois rien. Mais depuis, je fais le traitement. Je conduis avec cette lunette. Les autres, je n'utilise plus. Je mange une fois par jour, parfois 2 fois, souvent pour le plaisir. Je mange très peu parce que j'ai pas faim, vraiment. On a faim quand on a, notre corps a besoin d'énergie. Mais si on arrive de synchroniser, d'harmoniser l'énergie de notre corps, on peut se garder, on peut aller jusqu'au fin avec très 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 peu. On n'a pas besoin d'en gérer 10 kilos de viande par semaine et de 20 kilos de carottes. On peut vivre bien avec très peu, très peu. Sur cette planète, il y a trop, il y a surconsommation de tous, ok, absolument de tous. On n'a pas besoin de tout ça. On peut avoir un niveau de vie incroyable si tout le monde arrête de se bouffer dans tous les aspects de vie. 10 minutes. L'effet acupuncture était déjà en place. Mais pourquoi on garde la personne 40 minutes? Parce que c'est difficile de justifier 60 € pour 10 minutes. Mais le concept original, voilà, tibétain, les grands maîtres chinois, en 10 minutes, c'est fini, allez, sorte. Parce que c'est une restimulation d'un flou. Et une fois que ce courant commence de tourner, c'est fait. Une fois que tu démarres ta voiture, c'est fait, non? Mm-hmm. C'est la même chose ici. Une fois on commence de tourner et on débouche les blocages dans une certaine zone de corps, ça coule tout seul. Ok, ça se bouche comment? Ça ne se bouche pas d'un jour à l'autre. Oui, si je coupe mon bras, ça se débouche d'un moment à l'autre. Mais pour le reste, on ne tombe pas malade d'un jour à l'autre. De développer le cancer, ça c'est des années et des années de développer le cancer. Ça c'est des années d'une maladie dégénérative commence de faire le dégât sur une personne. C'est pas d'un jour à l'autre. Quand on devient conscient de ça, que toutes ces sortes de choses et problèmes sont liés avec le temps, on voit que si on casse le programme qui nous fait mal, on peut arrêter éventuellement le développement de certains problèmes de santé. Mais écoute, tout le monde s'habitue très vite, c'est 7 h du matin, il faut se lever, il faut aller au bureau, il faut retourner, il faut manger des croissants, il faut boire, c'est 10 h, il faut manger, boire encore un café. C'est 6 h, c'est le journal, au télé, il faut regarder, après. Oublie, on n'écoute pas le rythme naturel. On s'est mis dans un rythme complètement fabriqué. Et personne ne s'écoute pas. Et jusqu'à ce moment, le taux de cancer, le taux de maladie auto-immune, le taux de problèmes psychologiques va augmenter, augmenter, augmenter. Jusqu'à le moment où le gens arrête son télé et commence à écouter son propre corps et son propre besoin
Et ça, c'est apprendre responsabilité pour soi. Parce que, encore, dans notre société, dans notre civilisation, on donne la responsabilité toujours à quelqu'un d'autre. De se guérir, notre médecin. De se protéger, notre police. De se gérer, ou à notre gouvernement. Ou d'agrandir notre bien toujours à quelqu'un d'autre. Mais finalement, on prend quelle responsabilité nous-mêmes? Même pour nos enfants, c'est pas mon responsabilité, c'est la responsabilité de maîtresse, c'est l'université. Oui, et moi, je suis responsable finalement pour quoi? Ça, c'est lié avec la prise de conscience. Et regarde, nous sommes dans un bon moment. Parce que aujourd'hui, jusqu'à 6h30, c'est la première pleine lune pour le prochain cycle de 12 000 et quelques ans. En 2 mois, c'est le premier printemps de prochaines 12 000 ans. Cet été va être le premier été pour les prochaines 12 000 ans. Ça, c'est magnifique, parce que nous sommes à un point historique de la humanité où on peut vraiment faire un changement. Parce que le monde ancien était disparu. Il n'y a pas de cataclysme biblique qui s'est passé. Il n'y a pas un crash de planète. Il n'y a pas une apparition de savieur. Il n'y a pas des flottes des aliens qui sont arrivés par terre. Non. Tout s'est arrêté. Et tout est le même. Et tout est fraîche et bien. Et maintenant, c'est à nous de faire ce choix, d'avancer. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut créer pour le monde? On a témoigné les événements dans les dernières générations qui sont inimaginables au niveau technologique, au niveau politique. Qui peut imaginer la disparition de Russie soviétique? C'est inimaginable avec toutes les armes atomiques, les avions, les armées. Mon Dieu, c'est certainement la seule manière d'arrêter, c'est d'avoir une guerre mondiale atomique. Mais d'un jour à l'autre, c'est arrêté. C'est arrêté d'un jour à l'autre. Tout reste, et dans notre monde aujourd'hui, toutes les ressources sont là. L'infrastructure, ça reste. Et heureusement, oui, on peut commencer à l'âge de pierre à nouveau. Mais c'est un peu plus confortable comme ça. Parce que nous sommes déjà avancés sur cette planète au niveau de l'humanité. Mais maintenant, il faut prendre l'humanité dans les mains et pas l'imaginer comme un idéal pour le futur. Toujours on imagine les choses pour le futur. Je fais un petit savings pour le futur. Oui, quand j'entre dans retraite, je vais faire... j'ai toute une liste pour mon retraite. Mais jusqu'à là, je fais quoi? Je fais pas grand-chose parce que j'attends pour mon retraite. Tout le monde attend parce que je sais que si je suis bon, mais après mon mort, c'est super bien après. Et maintenant, on ne fait rien. On ne fait rien de ce fait bien. De faire bien à nos voisins, de faire bien à nos,
notre environnement, de faire bien à nous-mêmes, parce que tout le monde attend pour quelque chose qui va se passer, un jour peut-être. Donc, il faut arrêter de penser comme ça, il faut se mettre dans le moment, et à ce moment, commencer notre nouvelle démarche de la humanité. Parce que ce moment, nous sommes toujours dans ce moment. On se met dans le moment, on entre dans l'éternité. On peut s'adapter, parce que notre système était extrêmement adaptable sur différentes conditions. C'est bien pour un moment. On peut changer, mais n'oublie pas qu'il y a un aspect mécanique qui se passe aussi. Sauf si je mange le plombe, d'accord, je ne suis pas malade aujourd'hui ni demain, mais en 2 ans, si je continue de manger le plombe, ça commence de faire beaucoup de dégâts. On est d'accord, on est capable de transformer notre manière par rapport à l'énergie, parce qu'on a vu que notre bonhomme Einstein qui nous démontrait que l'énergie était équivalente de masse, et masse est équivalente à énergie. En fait, on est capable de transformer la masse si on transforme l'énergie. Mais ça demande une certaine perspective, une certaine ouverture d'esprit, une certaine ouverture de cœur et de corps. Et pour chaque personne, c'est unique. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de sauveur. Pour chaque personne, c'est une expérience, un chemin unique et personnel. Et c'est seulement dans ce chemin où on peut arriver de se guérir, de se tenir dans le bien. Et de profiter le plus de cette magnifique cadeau qu'on appelle la vie incarnée.